Comment faire pour malgré tout acheter une voiture à prix cassé? Il existe une autre source d'approvisionnement qui, elle, a su profiter de cette crise pour obtenir des rabais encore plus importants que d'habitude. À une cinquantaine de kilomètres plus au nord, Audincourt, dans le Doubs. Nous sommes chez un mandataire, AutoJM, un spécialiste des voitures importées. Ici, les voitures sont vendues par téléphone. Oui, bonjour monsieur, c'est Mélanie des AutoJM. Sans essai, dans ce call center. Donc vous m'aviez parlé du bleu Cosmos, donc je vous ai renvoyé un devis. En boîte automatique, en boîte manuelle, vous avez une préférence peut-être? Et ça marche, l'entreprise réalise 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce matin, le compteur de vente affiche déjà 210 voitures vendues, rien que pour les 15 premiers jours de juin. Un chiffre que l'équipe atteint d'ordinaire en un mois. Très bonne journée à vous monsieur, au revoir. Et pour cause, les prix sont plus bas de 5 à 10% que d'ordinaire. Alors notre activité, c'est déjà de vendre avec une remise, une très forte remise même, plus forte que la concession. Mais là, effectivement, avec le Covid, on a réussi à avoir des remises encore plus agressives que d'habitude. Exemple, avec cette Peugeot 3008, un des best-sellers du moment. 35 590 prix AutoJM, 49 780 prix concession. Remise directe, 14 190. Moins 29%. C'est une baisse qui est plus importante que d'habitude. Un peu plus importante. Là, à la base, on avait quand même une très très belle remise. 11 000, 12 000, là on est à 14 190. Comment la crise du Covid-19 a-t-elle généré une augmentation des remises? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de l'entreprise. Alors là, vous avez Joseph Martinez. C'est le fondateur de la société qui a créé AutoJM en 1975. Donc c'est le plus ancien mandataire de France. Derrière cette caricature, un visionnaire décédé depuis qui a découvert le premier qu'acheter des voitures françaises neuves à l'étranger permettait de réaliser d'étonnantes économies. Ce filon, Reynald Thévenet, l'actuel dirigeant, l'utilise toujours. On se rend bien compte qu'en Allemagne, il se vend plus de Volkswagen ou de voitures de marque allemande que de voitures françaises. Donc il y a un aspect compétitif, et puis pour prendre des parts de marché de Renault, de Peugeot et des différentes marques françaises, beaucoup plus agressif qu'en France, donc ils ont des meilleurs prix au départ. Voici comment ça marche. Deux voitures identiques sortent d'une usine française. L'une reste en France pour être vendue au prix catalogue. L'autre part dans un pays européen où elle sera vendue moins cher qu'en France pour être compétitive face aux marques locales. Malgré ce prix bas, il arrive que cette voiture ne se vende pas. C'est là que le mandataire la rachète et la ramène en France. Voilà comment la même voiture neuve peut être affichée avec deux prix totalement différents. Ah, il y a une petite aberration, hein. C'est qu'un véhicule peut être fabriqué à Sochaux, peut partir en Roumanie, et revenir à côté de Sochaux, ici, à 10 km, pour être vendu, quoi. Et tout ça, 30% moins cher. Cerise sur le gâteau, avec la crise du Covid-19, ces véhicules français qui reviennent de l'étranger ont vu leurs tarifs baisser encore un peu plus. Certains pays sont encore plus en difficulté qu'en France, ont des stocks importants où les gens en local n'achètent pas. Et donc, ils ont tendance, encore plus que d'habitude, à brader certaines choses. Par exemple ? Bon, bah, ça peut être en Espagne, c'est très difficile actuellement. En Allemagne, c'est difficile. En Roumanie, c'est difficile. Donc, il y a des opportunités. Ces opportunités, c'est à Marc Meyer, le directeur des achats, de les saisir. Et c'est qui ça ? Ce sont des voitures neuves, vous voyez, non immatriculées, donc vous voyez, des vraies voitures neuves. Il y a le prix, donc vous voyez, là c'est par exemple des prix qui viennent de Pologne, les prix sont en zloty. Des Peugeot 208 proposées 15 550 euros pièce, elles valent 22 000 euros en France. Et ces voitures-là, si je considère qu'elles peuvent intéresser nos clients, en l'occurrence elles sont intéressantes pour nos clients, on va en réserver une ou toutes. Avec 30% de moins que le prix catalogue en France, ce lot de Peugeot est une aubaine. Ce concessionnaire pensait très certainement les vendre pendant la période de confinement. Ces voitures arrivent peut-être au terme de sa ligne de crédit auprès du consendant, du constructeur, et que lui, il a un besoin impérieux de voir ses véhicules vendus.
Sur chacune de ces voitures, le mandataire applique une marge de 3 à 4%. Allez, on se réunit, s'il vous plaît. En cette fin de journée, le compteur des ventes a progressé. Il affiche à présent 231 voitures neuves vendues en seulement 15 jours. Et on appuie sur le buzzer. On applaudit tout le monde. Ben, bravo à toute l'équipe. Bravo pour cette journée exceptionnelle. Donc, Une performance saluée par le directeur commercial car le rythme de vente est deux fois plus important que d'habitude. On garde le même rythme pour demain aussi. D'accord ? Je compte sur vous. Pour Reynald, comme pour tout le secteur automobile français, les ventes ont donc progressé en juin. La France est même le seul pays européen dans ce cas. Pour la suite de cette année 2020, hors normes, vendeurs et acheteurs se posent à présent la même question. Combien de temps durera la saison des bonnes affaires ?